Coucou les goulis, c'est Kitty. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait dame. Donc, ils sont pas très grands. Commençons par les accessoires. Ah non, je vais dire les bijoux. Déjà, une Yip Cupcake, comme ça. J'ai acheté aujourd'hui. Voilà. J'ai trouvé trop mignon. Je l'ai voulu alors. Ouais, donc, j'ai acheté à Claire's. Claire. Ah, c'est toi. Là, c'est écrit là. Après, pareil, celle-là, je les ai achetées il n'y a pas très longtemps non plus. Toujours à Claire, mais pas au même Claire. Voilà, donc il y avait des donuts et des sortes de marshmallows. Voilà. Après, j'ai acheté. Mais ça, c'était il y a longtemps, par contre. Enfin, il y a longtemps, il y a une semaine ou deux. Donc, c'est des boucles d'oreilles comme ça. C'était les dernières. Attendez. Ouais, donc en fait c'est des lunettes sorte de Ray-Ban en boucle d'oreille. Voilà, j'ai trouvé trop belle, alors j'ai voulu le prendre. Voilà, donc en boucle d'oreille c'est tout. Ouais, j'ai pas fait grand. Voilà, en bracelet. Ouais, donc en fait il y en a que deux, mais ils étaient fondus ensemble. Donc désolé encore pour la luminosité. Donc une sorte de Scooby-Doo rose fuchsia. Et une sorte de chambala multicolore, mais vous voyez, les perles sont toutes attachées. Je le trouve vraiment magnifique. Donc les deux ensemble, ça donne ça. Je le trouve trop beau. Personnellement, dites-moi ce que vous en pensez. Vers le même jour que j'ai acheté les boucles d'oreilles, j'ai acheté un collier, comme ça. C'est des lunettes, en fait, j'en voulais. Je sais pas pourquoi. Ça m'a donné envie, ces petites lunettes, là, elles m'appelaient. Toujours à Claire. Enfin, si vous voulez vraiment, c'est écrit là. Claire. De toute façon, vous n'arriverez pas à lire. C'est Claire. Voilà. Ça, c'est ma soeur qui m'a offert. En fait, c'est une glace. En fait, c'est tout mou. Une sorte d'hamburger. Je vais l'ouvrir parce que je vais galérer. Voilà, c'est une glace. Donc, en fait, c'est un petit gâteau. Donc c'est un petit gâteau avec de la crème, voilà, voilà quoi, je trouve trop, c'est tout mou, hein, la texture est trop bizarre. Excusez-moi pour mes ongles, j'ai fait des tests dans un magasin, je me suis éclatée. Toujours à Claire, je me suis acheté une paire de lunettes parce que j'en voulais une. Ah, Claire, je vais l'ouvrir, attendez, je galère, attendez. Waouh, donc elles sont roses. Rose, je suis chère. Donc à Claire, il y avait aussi des lunettes comme ça, mais avec, vous savez, une sorte de casquette qui se baisse. Ça m'a trop fait le rire. Si vous voulez, je vous montrerai sur moi. Je sais pas si je le vois. Voilà. Voilà. Après, dans les sortes de habits. Alors, déjà. Ça, je sais plus où c'était. Je sais plus le nom du magasin. C'est en fait un foulard. Que je trouvais magnifique, mais juste magnifique, sublime. Regardez-moi ce foulard de malade. Il est juste trop beau. Bon, là, vous le voyez, hein, mais sur moi, c'est juste à tomber par terre, quoi. Enfin, voilà. Ma soeur elle-même. Alors, attendez, il a été à 11,99€. Ta-ta-ta-ta-da. Oui, donc, ensuite, blanc. Voilà, après, alors attendez, celle-là, je sais plus où je l'ai achetée. C'est en fait une jupe, parce que je voulais une jupe. Donc, comme je suis très fine en taille, normalement, j'ai 12 ans. Je devrais mettre du 12 ans, mais comme je suis très fine, donc à H&M, comme je suis très fine en taille, j'ai dû prendre du 10-12. Normalement, je prendrais du 14, quoi. Mais je suis très fine, et même celle-là, je la perds. Pour vous dire, je sais pas trop, que les corails un peu. Avec le dos comme ça, elle me va très bien pour l'été, hein, ne vous inquiétez pas. Avec un jeans, machin, ça. Avec une fermeture, là. Trop belle, je trouve. Après, les vernis. J'ai acheté, vous savez, les vernis, là, nouveaux, qui font métallique. Donc, je les ai testés sur mes ongles. Attendez. Bon, j'ai acheté lui là.
ce violet-là à Kiko. 5 euros. Ils étaient vraiment, vraiment très chers, je trouve. Enfin, ça va. Mais c'est un vernis quand même. Hein. Le mire pour la fin. Attendez, c'est lui. Un rose. En fait, c'est une marque que j'adore personnellement. C'est des nouveaux. C'est des Sugar Matte Nail Lacquer. Toujours à Kiko. Donc, en fait, c'est un rose clair. Pas été en fait comme du sable. Et leur bouchon, il est trop classe. Il est tout pailleté, leur bouchon. Après, pareil, un même de la même collection. Un rose pailleté en or. Et lui, vous allez le voir. De toute façon, c'est pas possible que vous ne voyez pas. Voilà. C'est un corail. Vous voyez orange, mais c'est un corail. Il est super beau. Toujours Kiko. Voilà. Maintenant, passons à mon achat préféré. L'achat de Mister. Ouais, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris à Hollister. Pour vous dire, on voulait une en fait. J'en attendais depuis très longtemps une casquette. Et j'ai vu une casquette de chez Hollister. Moi, j'en voulais une. Elle n'était pas excessivement chère, surtout pour la marque. Voilà. Donc elle est comme ça, elle est blanche, parce qu'il y avait deux couleurs, mais je trouvais que c'était pas belle, donc blanche comme ça, avec ici écrit Hollister. Si vous connaissez pas Hollister, faut vraiment que vous connaissiez, c'est un magasin, mais super, magasin de plage, un peu. Comme ça, Hollister, attendez, j'essaie de vous lire, Pacifique Merchant. En fait, voilà, dans le magasin, c'est tout en noir et blanc, enfin, tout en couleur, noir et blanc et couleur, il y a un grand rapport. Donc elle est blanche, donc il y a toujours ça là. Donc elle est réglable, je l'ai réglable, bon, une petite tête. Le prix. Alors, le prix, donc là vous l'avez dans toutes les langues, hein. En Ukraine, ça coûte 16,20€, donc j'ai payé 20€. Honnêtement, pour la marque Hollister, c'est vraiment pas très cher. C'est pour une casquette, ça fait cher, mais voilà, ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. 186, ouais, voilà quoi. Mais bon, après le reste, je sais pas. Donc, honnêtement, pour la marque Hollister, je dirais pas que c'était excessivement cher. Voilà. Après, là, vous avez écrit tout en chinois. Hollister California. Once is made in Bangladesh. Voilà, donc en fait, je la voulais. Donc, c'était une petite folie. Et pour l'été, ça irait trop bien. En sachant que je me suis fait plaisir, mais ça, c'était il y a le plus longtemps. Je me suis acheté une veste Hollister taille S. Avait coûté et c'est excessivement cher quand même, j'ai trouvé. Je regrette pas d'avoir acheté. Donc j'ai payé la moitié, mes parents ont payé l'autre, 79€. Voilà, donc pour vous dire, c'était un peu cher, c'est excessivement cher, je trouve. Après, je me suis acheté aussi comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Ah! Un sweat Hollister qui avait coûté pas très cher. Moins de 35€, je crois. Bon, c'était vraiment pas très cher comparé aux 75, 79. Voilà, donc une casquette à 20€. Il y avait des maillots de bain, ils étaient trop chers, les maillots de bain. Les maillots de bain étaient à... Les maillots de bain, ils étaient à combien? Je crois que... Ouais, bon, je sais plus leur prix, mais ils étaient chers. Voilà, donc c'était... Excusez-moi. Mes sortes de achats, on va dire ça comme ça. Donc je voulais vous montrer sur moi qu'est-ce que ça donnait des trucs. Donc déjà je peux vous montrer les ongles. Ça je l'ai acheté. Et lui, bon, le mot est parti. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Désolée si vous attendez à une autre vidéo, mais bon. Pour une prochaine vidéo les boules et je vous adore et merci beaucoup, à bientôt mes 60 abonnés puisque j'en ai 59. Je vous adore.